الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad, le plus honorable et le dernier des messagers. أما بعد فإن الإثارة هدي جميل وسلوك حميد وخلق عظيم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أي الفقر. الإيثار ou encore l'altruisme, est un excellent caractère. C'est une conduite louable. C'est quelque chose qui faisait partie des caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté dans le Sahih de Muslim, d'après Anas ibn Malik, qu'il a dit « Un jour, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam » et le prophète lui a fait un don de tout un troupeau qui se trouvait entre deux montagnes. Cet homme est retourné auprès des siens et leur a dit « Je vous incite à devenir musulman, car Muhammad est un homme qui donne de la manière de celui qui ne craint pas du tout la pauvreté. » الإيثار معناه أن يؤثر أخاه المسلم على نفسه بالنسبة لأمور الدنيا ابتغاء ثواب الآخرة، فهو أعلى درجات المعاملة مع الناس. الإيثار أو altruisme c'est lorsqu'un musulman préfère le bien du bas monde pour son frère au lieu de le garder pour lui-même. Il agit de la sorte pour obtenir des récompenses dans l'au-delà. C'est un très haut degré. الإيثار يجلب حب الناس ويطرد غضبهم ويذهب حسدهم فضلا عما يجده صاحب الإيثار من الثواب الكبير والأجر العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. Al-Ithar ou altruisme est quelque chose qui entraîne l'amour des gens et qui éloigne leur colère et leur envie. En plus, celui qui fait preuve d'altruisme obtient une immense récompense et un immense bienfait dans le bas monde et dans l'au-delà. قال الله تعالى في كتابه العزيز مادحا من تخلق بخلق الإيثار ولو كان بهم حاجة لكنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله a fait l'éloge de ceux qui font preuve d'altruisme. Dans le Coran, il a fait l'éloge de ceux qui préfèrent
donner le bien aux autres, même s'ils sont dans le besoin. Il a annoncé que ceux qui agissent de la sorte, ce sont eux les victorieux. Ceci nous est parvenu dans Sourate Al-Hashr, la aya 9. حتى أن بعض الصحابة ذات يوم صرعوا، يعني ارتموا على الأرض ينتظرون الموت وهم عطاش. ثم أحدهم ناوله شخص الماء، فرأى أخاه الذي هو مثله مصروع ينظر إلى هذا الماء، فآثره على نفسه ولا يظن بنفسه الهلاك. À propos d'altruisme, il a été rapporté que des compagnons un jour étaient tombés à terre, faute d'eau. Ils étaient complètement assoiffés et ils attendaient de mourir. Quelqu'un a donné un peu d'eau à l'un d'entre eux. C'est alors que son frère qui était à côté de lui, lui-même, à même le sol, s'est mis à observer cette eau. Le compagnon a alors préféré donner cette eau à son frère, sans penser qu'il allait mourir en agissant de la sorte. ثم ذاك أيضا آثر آخر. ثم ذاك آثر آخر على نفسه حتى ماتوا كلهم ولم يشربوا من هذا الماء. الصحابة إلى هذا الحد يؤثرون على أنفسهم، كانوا يتحابون ويتعاطفون. Le deuxième, à son tour, quand il a eu l'eau entre ses mains, il a vu que son frère l'observait, lui aussi était assoiffé. Il lui a alors donné l'eau et il a fait preuve d'altruisme. Et le troisième également a fait preuve d'altruisme, et ainsi de suite, au point qu'ils étaient tous morts sans boire de cette eau. C'est à ce point que les compagnons faisaient preuve d'altruisme. Les compagnons s'aimaient les uns les autres, et ils se soutenaient les uns les autres. روى الإمام البخاري أنه لما قدم المهاجرون المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. البخاري a rapporté que lorsque les émigrants, les muhajirun, les musulmans de la Mecque, étaient arrivés à Médine, le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a fraternisé, c'est-à-dire il a fait en sorte que deviennent comme des frères chacun des émigrants et chacun des partisans. Et en l'occurrence ici, entre Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Rabi'a. فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين. Saad s'est adressé à Abdurrahman et lui a dit « Je suis l'homme des Ansar qui possède le plus d'argent. Je vais le partager en deux parts égales, une pour toi et une pour moi. » فقال عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فذهب وباع واشترى وربح ولم يزل على هذه الحال حتى كثر ماله وكان له ما كان من المال والصدقات. Mais Abdurrahman ibn Auf a dit à Saad que Dieu t'accorde des bénédictions dans ton argent et dans ta famille. Simplement montre-moi où se trouve votre marché. Abdurrahman est parti au marché. Il a acheté et vendu et a fait des bénéfices. Et il est resté ainsi jusqu'à avoir une immense fortune
Et il était devenu très riche. إن سعدا رضي الله عنه ماذا أراد؟ أراد أن يتساوى هو وأخوه في الإسلام عبد الرحمن بن عوف في كل ما يملك. سعد que Allah l'agré a voulu être exactement dans la même situation que Abd al-Rahman ibn Auf en partageant tout ce qu'il possédait avec lui. وإذا كان سعد الأنصاري قد وصل إلى تلك الدرجة من الإيثار فإن عبد الرحمن المهاجري قد وصل إلى ما وصل من الزهد والقناعة والاستغناء بالله عن الناس. سعد le partisan a atteint ce degré d'altruisme. Et Abd al-Rahman, l'émigrant, il était arrivé à ce niveau d'ascèse et de suffisance du peu et de se fier à Allah pour ne pas compter sur les gens. مع إيثار سعد آثر عبد الرحمن أن يسعى بنفسه في كسب رزقه فأعطاه الله تبارك وتعالى. Malgré l'altruisme de Saad, Abd al-Rahman a voulu œuvrer par lui-même pour obtenir sa subsistance, mais au point que Allah l'a enrichi. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة ببردة أي ثوب مثل الشملة وقالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا. البخاري a rapporté du hadith de Sahl ibn Sa'd qu'Allah l'agré qu'il a dit une femme a ramené une burda, c'est un vêtement qui est comme un châle, au prophète et lui a dit ô messager de Dieu, je l'ai tissé de mes propres mains, je voudrais te la faire porter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté et il est venu dans notre assemblée en la portant. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كما روى البخاري فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها فقال عليه الصلاة والسلام نعم فجلس ثم رجع فطواها ثم أرسلها إليه. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام s'est rendu à son assemblée en portant ce châle, un homme de l'assistance lui a dit « Ô messager de Dieu, fais-moi porter cette burda. » Le prophète lui a dit ce qui signifie « D'accord. » Il est resté dans l'assemblée, puis lorsqu'il est rentré chez lui, il l'a plié et la lui a envoyé. « فقال له القوم ما أحسنت. » سألته إياها لقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت فقال سهل رضي الله عنه فكانت كفنه. Les gens ont alors blâmé cet homme. Ils lui ont dit pourquoi tu as demandé au prophète? Tu sais bien qu'il ne refuse jamais ce qu'on lui demande. L'homme leur a dit, par Allah, je ne l'ai demandé que pour que ce soit mon linceul le jour de ma mort. Sahel, que Allah l'agré, a dit, ce fut son linceul. Wa kana juduhu sallallahu alayhi wa sallam kulluhu lillah. Wa fi ibtigha'i mardatih, fa innahu kana yabzulu al-mal, imma li faqir أو محتاج أو ينفق في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه وكان يؤثر
على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement généreux. Sa générosité était pour l'agrément de Dieu. Chaque fois qu'il donnait de l'argent à un pauvre ou à un nécessiteux, ou dans la voie que Allah agrée, ou pour amener des gens à entrer en islam, il le faisait en étant altruiste. C'est-à-dire qu'il préférait consacrer cet argent pour ses portes de bien au détriment de sa propre personne, au détriment de sa famille et de ses enfants. Il était généreux d'une générosité dont seraient incapables des rois comme Khosroès et César. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Il a été rapporté dans les deux sahih, d'après Ibn Abbas, que Allah les agrée tous les deux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Et il l'était encore plus durant le mois de Ramadan, lorsque Jibril venait à lui pour réviser le Coran avec lui. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il rencontrait Jibril, était plus généreux que le vent. اللهم حققنا بذلك اللهم حققنا بذلك اللهم حققنا بذلك او الله fait que nous agissions de la sorte fait que nous agissions de la sorte fait que nous agissions de la sorte واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير